Bonjour à vous, amis de YouTube. Oui, toi, petit toi, comment vas-tu? Bienvenue sur ce troisième épisode de Final Fantasy Tactics Advance. Hein, j'espère que vous allez bien. Et on continue, donc on va prendre une nouvelle mission. Il est bien ce jeu. Mais il est génial ce jeu. Franchement, ce jeu est génial. Je trouve, c'est ce que je disais pendant la petite pause là où ça recordait pas. Ça me détend vachement de jouer à ce jeu. Alors là, c'est parce que c'est le début. Après, vous allez voir qu'il y a des combats où... ça te fout quand même la haine. Quoi. Alors, mission, une mission t'intéresse? La thèse, neige à Lutia. Alors, la thèse, elle coûte cher. Et là, il y a un duel aussi. Je dois participer à un duel, mais j'ai trop peur. Vous voulez pas y aller à ma place? Dites simplement que vous êtes moi, ok? Le vicomte Gat. On va faire ça, tiens. Ça a l'air rigolo. Pourquoi je peux pas regarder? Attends. Objectif solo, 3 jours. Gain 1800 gilles et une falchou. C'est pas mal, non? Mais je sais pas si c'est pas trop dur. Rang 1, bah non, ça va, rang 1. Ah, mais si, rang 1, c'est fort, non, je pense. Je suis pas sûr d'avoir le niveau pour le faire. Bon, on va essayer. Je sais pas si rang 1, c'est genre rang 1 au top, ou rang 1, c'est le premier rang, donc ça pue. Ça, c'est un truc que tu vois dans les jeux vidéo, des fois, c'est un peu chelou. C'est bae. Comme dirait les jeunes. C'est bae. Je sais plus ce que ça veut dire bae d'ailleurs. C'est quoi best? Ah, bif. Mais du coup, c'est EA en fait, pas AE. Ah, anything, j'ai compris, d'accord. Ah ouais, ok. C'est une mission en solo. Calmement, mon clan va s'en charger. Bah, le plus fort. Ah bah, d'accord, j'ai pas le choix en fait. Bon bah, qu'emportes-tu pour le duel? Tu n'as pas d'objet à emporter. Ok. On va essayer ça. Ça a l'air d'être rigolo. Donc, c'est un truc en solo et tout, c'est rigolo, j'aime bien. Mais composant une commission et 300 okay. Mission s'intéresse. On peut prendre plusieurs missions. Ok, sortir. Par contre, faut que j'aille où en fait? J'ai pas du tout vu où fallait que j'aille. Je peux pas avoir la liste de mes missions. Attends, je vais retourner dans le bas. Salutations. Stop mission. Ce sont les missions que tu as acceptées. Le duel. Alors attention, objectif 3 jours en plus disponible. Un objectif, 3 jours en plus. Soldat, coup payé, envoyé keeper. Ah non! Je me souviens de ce que c'est ça. En fait, les missions comme ça, vous les faites pas. C'est juste qu'en fait, ça dure 3 jours. Et du coup, pendant 3 jours, keeper, la personne qu'on doit envoyer n'est pas disponible dans notre équipe. C'est ça. Du coup, alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va attendre 3 jours. Donc pour attendre 3 jours, on va juste se déplacer de 3 cases. 1, 2, on va faire ça. Donc, un jour, deux jours, trois jours. Et là, ça va mettre Keeper est revenu de la mission. Voilà, mission accomplie, fin de mission solo. Et du coup, est-ce que Keeper a réussi sa mission? C'est moi, Keeper. J'ai réussi la mission, le duel. Et voilà. Et du coup, on a masse thune. Et on a gagné une arme. Une unité veut se joindre à vous. Alors, il y a Eden qui est alchimiste qui veut se joindre à notre équipe. Il a aucune capacité, il a aucun équipement. Il peut se déplacer de 4 cases, il est niveau 2, il a 0 expérience. Accepté dans le clan. Alors pour l'instant je peux l'accepter parce que je m'en fous en fait, mon clan est pas complet. Donc au pire je peux le prendre. Alors ça c'est très drôle parce que du coup, quand vous ferez des combats, en fait vous foutrez pas toujours tous les membres de votre clan. Des fois vous avez de la place que pour 3 ou 4 membres. Et du coup vous faites XP que les membres qui participent au combat. Ce qui fait que des fois en fait dans votre clan vous aurez des membres dont vous servirez jamais. Et que du coup, vous les virez pour d'autres plus forts. Donc là, par exemple, j'ai accepté machin là. Mais je peux par exemple ne jamais jouer avec lui. Et du coup, ne jamais le faire XP. Et du coup, le rendre complètement obsolète. D'accord? Obsolète. Et du coup, voilà. Keeper arrête de keeper. Bordel. Mais se met en PLS en disant à tes soins ça. Vous pouvez soutenir Sam en mettant le hashtag sur Twitter. À tes souhaits, Sam. Allez-y. Faites-le monter en TT France. Hashtag ATSWSAM, d'accord? On va retourner à Sprom! On va retourner à Sprom et on va faire une nouvelle mission, du coup. Une vraie mission cette fois. Salutations. Alors avant de faire une vraie mission, putain merde, c'est vrai que j'oublie qu'à chaque fois on peut pas faire ça. Formation. Donc toi, du coup, t'as pris une jolie petite épée. Est-il possible que tu puisses l'équiper? Non. Tu vois là on en a 0 sur 1, alors épée pouvant trancher les membres, épée large,
de main. Donc lui ne peut pas mettre ce genre d'épée, d'accord? Ce genre d'épée est réservé à une classe, d'accord? Et je crois que c'est lui qui peut la mettre. Équipe objet. Ah non, lui il met les points, c'est ça. Alors, il faut trouver la classe qui peut avoir ce cet objet en fait, le falchion. Je sais pas ce que je sais pas avec ça. Toi t'as les bâtons, si je m'abuse. Petit objet, c'est ça, toi t'as les sceptres, donc ça marchera pas. Je crois qu'on n'a pas encore en fait le type de personnage qui peut avoir cet objet. Parce que elle c'est les bâtons, eux c'est les épées. Épée courte, enfin épée à une main on va dire. Lui c'est les poings. Elle, lui c'est les sceptres. Elle c'est les arcs du coup. Et lui, il a quoi? Équipe objet, il a que dalle. Alors lui il a que dalle. Et je ne peux absolument rien lui mettre. Donc vous voyez, lui on s'en servira jamais. Hein? Il sert à rien. Bref, on va choisir une mission. Donc mission. Les missions t'intéressent? Oui. La thèse ou la neige à Lutia. Donc la thèse c'est quoi? Rang 3. Dans le passage Lutia, des bandits m'ont volé la thèse de mon prof. Pourriez-vous la récupérer? Géologue déboussolé. Victoire, 4000 guilds et un sceptre de feu. Objet nécessaire et pas d'annulation possible. Ça m'a l'air un peu dur, non? Et la neige à Lutia, du coup. Recherche babysitter pour emmener les enfants voir la neige à Lutia. Pique-nique inclus. Attention aux monstres. Tente fatiguée. Victoire, 3600 guilds et une touche de feu. On va faire celle-là avant. Rang 1. Donc je pense que rang 1, c'est les plus simples. Donc je peux rien apporter, donc let's go. Du coup, racontez-moi votre journée, genre, sur le live, puisque moi, j'ai raconté la mienne sur Snapchat, mais du coup, je veux bien que vous me racontiez la vôtre. Donc, on va prendre cette mission. Par contre, j'ai encore oublié... alors, c'est à Lutia, du coup, c'est ça? Bon, faut que j'aille à Lutia. Passage Lutia, c'est ça. Ah oui, la neige. Donc là, neige à Lutia, c'est parti. En garde. Ta-da-da-da. Donc là il y a des mobs, alors choix des combattants, bouton sélect pour voir les lois actuelles. Alors les lois actuelles sont interdits aux rapières, donc tous les personnages qui ont des rapières n'ont pas le droit d'attaquer avec les rapières. Et les épées longues sont conseillées, donc si j'attaque avec des épées longues c'est cool. Alors on va mettre ma bite, hop, on va mettre mon blanc, donc les équipes moi sont formées plutôt toujours pareil. Keeper, hop, lui, Jean en arrière pour le soin, Jeanne pour... les dégâts à l'arrière. Et du coup on peut mettre l'autre. Ah non, on peut pas mettre, regardez. C'est bon, je peux pas mettre plus que ça. Donc on va regarder cette équipe qui est pas mal. Et c'est parti. Pas de mobilité aujourd'hui. What? Peu de mobilité aujourd'hui. J'ai pris le train en première classe ce matin. Et oui. Ah, ça c'est la classe. Il faut protéger les enfants de ces monstres. Éliminez tous. Ok. Bon, c'est parti. Farbados. Donc là, ils font un peu plus peur quand même. Ils sont un peu plus effrayants, on va dire. Il y a le premier zombie qui vient d'arriver sur le live. On peut lui dire bonjour. On peut lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Des bisous. Enfin, c'est une bien sûr. Alors, on va passer. Yavo là-haut ! Ah, c'est assez exceptionnel pour qu'on puisse le remarquer. Volao est parmi nous. Alors toi tu vas... voilà, tu vas te préparer à attaquer tout à l'heure. Tu vas, voilà, tu vas te buffer s'il te plaît. C'est parfait. J'ai pris un TGV première classe une fois. J'ai pas trouvé de grande diff. Bah moi si. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée diff. Ça va bien. Si ça va bien, ça va bien. J'ai pris la cabine conducteur. J'ai pas été vérifié par le contrôleur. Ah, j'ai esquivé! Alors, toi, tu sers à rien pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre derrière. T'es puni, voilà. Tu vas pas aider grand chose. Alors, bientôt, quand tu seras à un niveau supérieur, il aura des sorts de boucliers et tout. Ça sera incroyable! Incroyable. Pas tellement de différence. Je me suis trompé. Et que je fais là en première classe, la différence, c'est la couleur des sièges. Ouh, je me suis fait démembrer le cul. Ça fait pas du bien. Alors, bouger. Hop. Derrière. Toc, toc, toc. Action. Technique combat, c'est toujours premier soin. Attaque. Toi, par derrière. 53 PV. C'est parti. À l'attaque. Bim. Voilà. Ensuite, on va le mettre dans ce sens-là. Toi, bouger. Ici. Toc.
Action, attaque, ici. 35 PV il lui reste. Boum. C'est bien. Ça c'est pas mal. Après c'était un TER. Ah ouais. Bon effectivement là du coup, je pense que TER, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements pour les classes. Bah si, TGV quand même. Non, c'est un mythe que les riches racontent pour faire. Non mais arrête. T'as vu les fauteuils en classe éco et en première classe? Bah ouais, et je crois que... Ah bah quand même, c'est pas la même. Hein. Je l'ai tué. On l'a tué. GG, ça c'est bien. Après Lyon, c'est des bouseux. D'un coup, un train, c'est pas un train. Quoi? Tiens, un coup. Garde Depardieu, je sais pas quoi, la toute pourrie. Ah, la garde Depardieu, elle est géniale. Arrête, elle est super bien organisée et tout, elle est trop bien. Ça, plus cap, qui fait l'intéressant. Il essaie de nous vendre ses frites encore. Alors, bouger. Alors là, ça sert à rien, je me mettre là parce que du coup, je vais être en bas par rapport à lui. Donc, c'est pas très très cool. Mieux vaut que je l'attaque de plein fouet en face. En espérant qu'il esquive pas. C'est pas mal. 17 PV. Donc là il attaque pas au corps à corps. Vous vous souvenez, lui il a un gant. Il a un gant. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il donne un coup de poing. Alors toi tu t'es concentré. Donc normalement si je fais ça. Donc là tu fais une petite attaque sur lui là, tranquille. Normalement tu lui mets la misère là. Et il esquive. Et oui, évidemment les enfants. Alors là c'est une princesse. On met un petit poids sous son matelas, il sent la différence. Bah ouais. Attends, moi je suis un mec, voilà, tu vois, j'aime le confort et tout, je suis un mec qui... Voilà, tu vois, j'ai besoin d'un certain confort, voilà, je veux dire, bon, on voyage pas avec les bouseux, faut pas non plus, voilà, déconner, bien sûr. Pour Zupi, il n'y avait plus rien en stock. Il est amoureux de toi, Captain, désespéré. Oui, Captain, il aime bien envoyer des cœurs aux gens, parce que c'est un mec plein d'amour. C'est bien, vous êtes une communauté très très gentille et très bonne. J'aime. Je vous aime bien, vous êtes mignon. 33 PV, putain. La pauvre. Donc en fait, je gagne des points si j'attaque avec une épée longue, mais aucun de mes personnages n'a d'épée longue. Donc ça ne sert pas à grand chose. Alors lui, du coup, il est complètement coincé. Lui, il est complètement coincé, il ne sert à rien. Parce qu'en fait, si je le mets pas, si je le mets là, il pourra pas attaquer là. Il y a trop de hauteur. C'est sûr et certain, on va le mettre là pour l'instant, on va le faire attendre. Toi! Hop, tu te mets derrière. Alors, il n'y a pas de système de tacle, ça c'est assez rigolo. Il n'y a pas de système de tacle, c'est-à-dire que lorsque vous êtes près d'un... C'est pas comme dans Dofus en fait. Genre quand vous êtes près d'un perso, si vous bougez, vous pouvez bouger, il n'y a pas de système de tacle. Je sais pas comment expliquer autrement comme ça. Boum, 17. Allez, c'est comme ça. Il y a une erreur, on fait une petite princesse, mais quand tu veux. Y a pas de soucis. Hop là, l'esquive, ma gueule. Action, attaque, hop, hop. Il reste combien? 38 PV. Putain, il a eu quand même beaucoup de PV l'autre. Toutes les deux, on fera du shopping, on fera des tutos make-up. Bah moi, je ferai des tutos. Moi, je ferai les tutos cookies si tu veux. Et voilà. Alors à mon avis, brasier sur eux est inutile. Je vous rappelle qu'ils sont rouges. Donc, à mon avis, quand ils sont rouges, ça veut dire que les dégâts de feu ne servent pas grand chose. Donc, allez, 20 HP, on se dit que ça le tue? On se dit que 20 HP ça suffit? On se dit que ça va lui mettre 20 HP dans la gueule? On se dit qu'il n'esquive pas? 19! Le fameux petit 1 PV ta mère! Mais là, c'est pas grave parce que là il va essayer de m'attaquer. L'autre, elle va esquiver, elle va faire une contre-attaque. Tu vas voir. Tu vas voir la contre-attaque. La contre-attaque, elle est là. Elle est maintenant. Ok, d'accord. Merde, elle s'est fait démembrer le cul. Je dilapide toutes mes bières, là je gagne plus. Bah ouais, mais c'est pas grave. Il faut bien que tu perdes des fois. On va soigner ces deux-là. Hein. Qui n'ont pas besoin d'être soignés d'ailleurs, je crois. Mais c'est pas grave. Je t'invite pas à venir faire des magasins avec moi, toi. J'avoue. Je n'aime pas ma carte bleue. Comme ça, la mienne est déjà bien remplie. Bah oui, ça c'est l'argent. Hein. L'argent des étudiants, ça. Alors lui, il va jouer, il va mettre cher aussi sur... Ah, il focus le healer. Quel vieux bâtard, ça focus le heal. Allez, le heal te l'a mis dans le cul, gros. Qu'est-ce que tu vas faire?
Axu attaque. Hop. Il reste combien? 35 PV quand même, c'est beaucoup. Ah le bâtard, il a esquivé, t'es sérieux? Alors eux ils sont à perpétuer les doigts quoi. Il va falloir qu'ils fassent tout le chemin. Combien il a le PV lui? 60 sur 60. Bon, ça sert même à rien qu'il se soigne. Pareil pour toi, lui aussi il va perpétuer les noisettes. Mais... il faudrait que le juge il bouge les corps, ça serait bien. Si le juge pouvait bouger les corps, ça serait parfait. Ah ça focus pas le healer, c'est bien. Allez la contre-attaque. What? Il est pas mort lui? Ah putain je pensais qu'il était mort. Mais non il est juste couché, je pensais qu'il était mort. Oh dans ma tête il était tellement mort. Mais en fait non il est juste couché, je suis un connard. C'est pas grave, ça devrait suffire une attaque de... Il lui reste un PV. Allez esquive pas. Voilà. Putain dans ma tête il était tellement mort. Oh mon dieu, insupportable. Enfin notre code commun tu seras riche aussi. What? Ouais. Ouais. Alors toi, il va falloir que tu reprennes de la, que tu redonnes de la vie à l'autre là. Là, donne de la vie. Ah de la vie. Oui. Prenez ma vie. Ah les petites étoiles, c'est trop beau. Ah là là, maintenant tu te casses. Ah mets-toi là, c'est parfait. Observe le, observe ce qui se passe. Ah le juge, tu vas bouger les corps ou pas? Ah oui, il va bouger les corps. Ok super. Waouh. Argent fait le bonheur. Non, je t'aime plus, t'es qu'un martyriste. Oh, oh non. Oh non, 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 non. Pas de scission dans le couple. Pas de scission dans le couple. Pas en live. Ne vous fâchez pas ici. Ne vous fâchez pas maintenant. Non, non, non. C'est ce live qui a créé cet amour. Ne le détruisez pas ici. On va faire une technique moine qui n'a pas marché tout à l'heure. Pour vous montrer au moins comment ça peut être trop classe. Voilà. Voilà, ça fait de la merde. Par contre, là, le problème, c'est que tout le monde est coincé. Voilà, eux, ils vont encore servir à rien. Lui, il a de vie, lui. Ah merde, j'ai fait animer. Action, technique, combat, premier soin. On peut le faire que sur lui-même, sur lui soin. C'est de la merde. 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 Ça va, l'outil se sent pas trop. Il se sent pas trop épié. Alors toi le problème c'est que... Ah si attends on va faire ça, hop. Ah non non tu vas forcément toucher un pote. Bon c'est pas grave. Tu sais quoi tu vas toucher un pote, c'est pas grave, tant pis, allez c'est pas grave. Allez on va dire que c'est pas grave. Allez, on va dire dommage collatéral, c'est pas grave. Bim. Voilà c'est pas grave. Je sauterai avec toi ciel pour te prouver mon amour. Ah c'est beau. Je l'ai fait exprès, je voulais mourir pour vivre mon chagrin. Lol. C'est pas grave, on va soigner notre pote. Qui se fait sauvagement agresser par l'autre. Soin par, par la magie des étoiles, sois soigné. Wow. Alors les healers sont très importants dans le jeu. Je m'en moque, hein, mais je vous jure que... Je vous jure que votre healer, c'est... voilà, si vous avez pas au moins un healer dans votre partie, considérez qu'elle est, elle est terminée, elle est perdue. Y a pas de secret, quoi. Marjo, t'as de l'argent, mon dernier compte, copine est morte tristement. Alors déjà, tu vas te calmer tout de suite. Hein? Bon. Bon, l'outil est faible, là. Allez, une grosse attaque par derrière, hein, comme on sait bien les faire, et ça devrait être fini. Allez. Allez, la bonne attaque par derrière, et bim! Et voilà! Et on a gagné! Tout ça pour aller emmener les gosses à la neige. Tout est rentré dans l'ordre. On va pouvoir ramener les enfants chez eux. Musique de victoire. Ah. Bien joué. Mission Neige Alitia accomplie. Donc on a 3600 guilds et une toge en feu. Keeper a appris premier soin. Une unité veut se joindre à vous. Ah. Nelly a les bretteurs. Ah je me demande si c'est pas eux qui ont justement mon truc. Elle est niveau 2. Donc si là je l'accepte. Nouveau membre. Ok, je peux l'accepter, Osef. Alors je me demande si. Formation. Je me demande si toi, les bretteurs, c'est pas vous qui pouvez prendre justement. Non, toujours pas. Je sais pas qui peut prendre ça. Si je vois à quoi ils ressemblent, mais alors après leur dire ce que c'est exactement, je saurais pas dire.
Donc toi, tu peux encore rien prendre de ce que j'ai. Ça, c'est de la merde. Par contre, la toge en feu, je suis quasiment sûr que toi, tu peux la prendre. Type d'objet, toge chambre. Alors, tu vas me jeter ça et tu vas mettre la toge de feu. Tenue résistance au feu. Voilà. Et c'est tout. Mais c'est bien. On va aller faire, on va aller à Sprom. On va aller dans le magasin. Que souhaites-tu acheter, cher client? On va vendre des trucs. On va vendre le truc chambre là de machin là. Je vous en vends un. Hop, voilà. Et du coup, on va acheter des trucs. On va acheter. Ah, parce que Sprom, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? 10 épées courtes, épée d'argent, 25 francs, c'est pas mal. Je pense qu'on va acheter 2 épées d'argent pour nos deux attaquants là. On va acheter 2 épées d'argent. Du coup. Merde, est-ce qu'on peut les équiper maintenant ou je suis obligé de sortir à chaque fois? Donc attendez, je vais voir si je peux les équiper. Parce que si j'achète un truc qui sert à rien, c'est de la merde. Équipe objet, alors à la place de l'épée courte, on met l'épée d'argent. Ok, pareil pour l'autre là, épée courte, épée d'argent. Pas mal. Ça, j'aime. On retourne au magasin. On vend. Épée courte, x2, on vend ça. 300 000, hop, c'est bon, c'est fait, c'est génial, c'est super. Ensuite, j'aimerais bien acheter un arc pour l'autre. Arc plus stylé, c'est possible. Arc long, arc d'épine, 25. On va acheter un putain d'arc pour l'autre. Parce que j'aime bien en fait les. J'aime bien les persos qui tirent à l'arc. Je trouve ça assez cool. Du coup, on va vendre l'arc long. Ah, les objets équipés ne peuvent pas être vendus, évidemment. Par contre, c'est vraiment chiant, je peux pas équiper, je suis obligé de tout acheter. Alors, on va acheter. Bouclier robin, botte de combat, gantelet. Ça, ça augmente la défense, mais je sais pas qui peut les prendre. Côte romaine. Je suis placé, touchant. Je me demande si la côte romaine peut pas être. On va en acheter une. Et après, je pense que c'est bon. Hop! Donc, formation. Alors du coup elle va avoir son double arc. Arc d'épine, paf, qui est vachement mieux. Et du coup toi, donc moi, est-ce qu'à la place de la cuirasse tu peux mettre. Voilà, côte romaine, parfait. Côte romaine, et est-ce que la cuirasse que je vais enlever peut aller sur quelqu'un d'autre? Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'elle doit avoir comme. C'est un bretteur. Un bretteur, c'est quoi comme genre de. Parce que attends, elle est niveau 8. Elle est niveau 8? Mais non. Niveau 2. What the fuck? Pourquoi ça me met niveau 2 alors qu'il est niveau 8? Ah non, c'est les numéros! Putain, c'est les numéros! Mais je suis un connard! Mais oui, c'est les numéros, pas les niveaux. Que souhaites-tu acheter? Acheter. Arme. Je sais pas ce que les bretteurs ils ont. Les fleurets, non? Une cloche. Rising Sun. Je vais acheter ça pour l'autre. Pour le varan là. Hop. Hop. On va vite passer à une autre mission, ne vous inquiétez pas. Donc toi, on va t'enlever ça et tu vas mettre le truc que je t'ai acheté à la place. Ah putain, c'est pas la bonne classe, j'ai acheté la merde. J'ai acheté un truc qui était pas bon. Arme à feu classique. C'est pas du tout ça. Est-ce que ça irait à quelqu'un d'autre? Ah bah un bretteur, c'est ça les bretteurs, c'est les armes à feu, non? Pas du tout. Bretteur, c'est pas les armes à feu? Bon, toi, à mon avis, c'est pas ça. C'est chiant qu'on puisse pas voir à quelle classe ça va en fait. Enfin, on doit pouvoir savoir, mais. Est-ce que ça irait pas à toi en fait? Arc. Non.
sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que les healers, ça se bat avec des cloches. Lui, ça se bat avec des cloches, je crois. Non, une crosse, pardon. Ouais, je sais plus qu'est-ce qui se bat avec les cloches. Bon, je la garde. De toute façon, je la garde. Au pire, elle me servira un jour. Par contre, on n'a pas vendu l'arc. Vendre. Alors, vous pouvez garder les objets. Hein. Là, je les vends, mais vous pouvez les garder parce qu'en fait, ça vous sert si jamais genre j'ai un autre personnage, tout le monde là, je pense que ça vaut. Alors, c'est bon. J'ai me suis stuffé, c'est pas mal. Du coup, on va aller au bar. On va regarder les missions. Et du coup, il y a la thèse là. Ou alors, prof en danger. C'est quoi, prof en danger? Rang 4! Prof Woody a disparu il y a 3 jours. Il a rejoint le passage Lutia et puis, pourvu qu'il ne soit pas pris dans une avalanche. Alors, on va faire ça. On va encore faire un truc moins dur. J'ai vu un vilain mage fabriquer plein d'icebergs. Pourquoi faire? Rien de bon, c'est sûr. Vous voulez pas enquêter? T'es moins inquiet. Alors, on va faire ça. On est toujours au truc de Lutia là. On gagne une épée du glace et un barong. C'est pas mal. On va prendre ça. Et on va faire ça. J'imagine que c'est là aussi. Mage glace, c'est parti. Bon, l'épisode sera un peu plus long, on va faire deux combats. J'ai envie de continuer donc. Donc on va continuer. Choix les combattants. Ma bite. Mont Blanc. Keeper. Gourgeur. Jang. Et Jeanne. Et je pense que c'est tout. Et oui, on peut en mettre plus. Attendez, je veux pas attaquer tout de suite, je veux regarder les lois. Il t'interdit d'attaquer? What? Gage pour attaque réussie. Capacités ne sont pas pénalisées. Oh. Ok. Ok. Alors on va. On va enlever. On va enlever Keeper, il me sert à rien du coup. Je n'ai pas le droit de faire des attaques physiques. Oh, mais attends, c'est trop dur. J'aurais dû lire les lois avant de lancer le combat. Parce que du coup, Jeanne, elle me sert à rien non plus, je crois. Ma bite non plus me sert à rien. Ouais. Bah, avec Nelly, hein, je sais pas à quoi elle sert. Mais non, mais elle aussi, elle attaque au corps à corps. Bon, on va mettre ma bite. Putain, on est tellement dans la merde. J'avais presque terminé mon expérience. Qui êtes-vous? Comment osez-vous me déranger? En fait, elle est super dure. Arrête, ça suffit! Tu bloques le passage avec toute cette neige. Détruire les cibles. Ok, donc là, l'objectif, c'est de détruire les cibles. D'accord? Sauf que j'ai pas le droit d'attaquer. Faut absolument que j'utilise de la magie. Ah, mais je vais me faire défoncer, en fait. Donc, eux, ils vont protéger leur truc, évidemment. Attends. Putain, mais c'est super dur. Je sais pas si les techniques comptent comme une attaque ou pas. Passe. J'aimerais bien revoir les lois si possible. Ça va être trop dur. Genre là, je pense que si j'ai attaque à l'arc, c'est mort. C'est considéré comme une attaque physique. Donc je vais prendre un carton jaune. Ah bah j'ai raté. Donc on le saura pas. De toute façon là on s'en fout, il faut focus les machins là, il faut focus les trucs. On s'en fout des mobs. Donc je vais rusher les machins et voilà, je vais tout mettre dedans. On verra bien. Ça va bien se passer, d'accord. Et je crois que la magie blanche est... Merde, j'ai fait état. Je crois que la magie blanche est en bonus et par contre la magie blanche... Alors lui il fait quoi lui? Appel. En fait lui il sert à rien non plus. Lui il sert absolument à rien non plus, parce qu'il a... il peut pas rien faire apparemment. Donc c'est de la merde, c'est pas grave. On va faire, on va tous les faire avancer en ligne droite, en mode OSEF. Et on verra bien ce qui se passe, d'accord. Toi, est-ce que tu peux faire un truc? Non, absolument rien. Allez hop, on passe. On va essayer de voir si on peut pas torcher le truc. Tant pis, il y en a qui vont tanker, mais c'est pas grave. J'ai la tombe. Ah oui, il va faire mal. Je sens que lui, il va faire hyper mal. Je sens qu'on est... Oh putain. Je sens qu'on est très mal parti là. Glacé plus en plus, donc c'est pas un petit mage lui. Ouh.
Ok, c'est mort. Ok, c'est mort. Puissance 40. Voilà, donc là, il a un JP parce qu'il utilise de la magie noire. Donc, c'est bien la magie noire qui est en poupe. Donc, du coup... putain, mais... Donc là, on va voir tout de suite si, par exemple... Est-ce que ma technique de moine est considérée comme une attaque de base? Je pense pas. Normalement, c'est déjà fait. 15. Parfait. Ok. Hashtag tryhard. Ah, mais là, c'est mort. Bah, je pense que là, c'est mort. Je pense que là, on a perdu quoi qu'il arrive. Parce que là, ça va être impossible. Griffe venin en plus. Ok, elle m'a empoisonné l'autre. Ça va être très compliqué hein. Là l'autre il va crever. Il va lui lancer un sort je crois en plus. Oh non. Bouger. Alors là je vais essayer de voir si je peux pas attaquer le leader direct. Ah ça a que 15 PV. Bon. Putain ça a raté. Il a esquivé. Il était trop loin. Alors qu'on va faire. Hop on va mettre là. Et toi tu vas soigner tout le monde. On va soigner ceux que tu peux quoi. Ça va être compliqué. Putain, c'est pas un bon jeu. Du coup, je devrais recevoir un G-Point. Hein. Ouais! Donc, en fait, c'est la magie, qu'elle soit noire ou blanche. Ok, très bien. Ok, donc lui, il va mourir, je pense, mon perso là. Ah non, il va pas dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, toi, t'es un tank! Donc, là, je vais pas le faire attaquer, sinon, il va prendre un carton. Donc on va le laisser comme ça et puis voilà. Toi pareil, alors toi tu vas rusher. Comme jamais tu l'as fait. Tu as toute ta vie. Et toi, hop, on va mettre là. Action, magie noire. Foudre. Et là, c'est pas mal là. Là on les a bien là, là c'est bien là. Là c'est bien, on va mettre des dégâts, ça va être bien, ça va être beau. Ça va être incroyable, attention, esquive. 7. Waouh. Bon c'est clairement pas mon niveau hein. C'est clairement pas le niveau, j'ai clairement pas le niveau pour ce genre de combat. Là on risque de se prendre des sacrés. Là ça va être le bordel. Ah il peut bouger lui. Est-ce que tu peux bouger jusque l'idole? Ouais parfait, allez hop. Vas-y, attaque-moi ça. Technique moine trombe. Ça a que 15 PV franchement. On peut le rush. Sauf s'il prend un PV à chaque fois le truc. 21. Boum. Un détruit. Allez go. On rush. Non mais c'est bon, je vais réussir à les buter, non? Sauf si l'autre il bute tout le monde mais Il va faire quoi Gelato là? Il va niquer les 3 là. Là il va te lancer un sort mon gars. Oh là ça va faire mal. Là ça va faire très mal. Alors là il va falloir sortir les esquives là. Là faut sortir les esquives les gens. La mort. Pas la mort. Et pas la mort. Ça va. Normalement ma bite pourra finir le combat. Le truc c'est que même si j'attaque au corps à corps l'idole, enfin le truc voilà. Même si j'attaque au corps à corps et que je me prends un carton, de toute façon elle sera détruite. Donc j'aurai fini le jeu. Donc j'aurai fini la mission. Donc c'est bon. D'accord. Il faut juste que un de mes mecs qui fait des dégâts reste en vie. Ok, toi tu vas te mettre là, tu vas faire en sorte qu'il vive plus longtemps. Oui, j'ai pas le temps. Ok, ça soigne aussi le. Ouais. Écoute, mais en fait lui il a toute sa vie. Il a toute sa vie donc on s'en fout de le soigner. Allez hop. Let's go. Le soin. Allez go, parti. Vous êtes en vie, retournez au combat. Allez hop, on retourne au combat. Hop, moi je chope des J-Points, c'est parfait. Ah, niveau supplémentaire. Bravo. Donc là j'ai gagné un niveau. J'étais en train de débloquer une nouvelle capacité. Je ne pense pas. Ok, toi. Putain, il peut rien faire. Il va pas falloir que tu gênes l'autre. Tu vas aller là. Voilà. Et tu vas rien faire. Alors, je sais pas ce que c'est appel. Voilà, toi tu vas tanker. Allez, c'est parti. Allez ma bite. Et là tu vas faire attaque au corps à corps. Allez, tu mets 15 de dégâts et c'est fini. 30. Voilà, je vais me prendre un carton normalement. Parce que j'ai attaqué. Est-ce que je me prends en rouge? Je me prends en rouge. Je vais en prison.
m'habite en prison. Mais du coup, est-ce que la quête échoue? Normalement, j'ai fini. Normalement, j'ai réussi. Non, c'est un game over. Non. Je pensais que le fait de terminer la quête, ça prenait au-dessus du fait que j'ai en prison, mais non. C'est de la merde. C'est mal fait. Ah, je suis au bout de ma vie. Putain, ça te met un vrai game over, hein. C'est pas un petit game over de PD. Et comme j'ai jamais sauvegardé in-game, je pense qu'on est baisé. Parce que je n'ai jamais sauvegardé in-game. Voilà, j'ai jamais sauvegardé in-game. Voilà, j'ai toujours sauvegardé avec la sauvegarde de l'émulateur. Donc on est baisé. Mais ça tombe bien, de toute façon c'est la fin de l'épisode, les gens sur YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de Final Fantasy Tactics Advance. Voilà, j'espère que peut-être ça vous a même donné envie de jouer. Dans ce cas-là, c'est tant mieux. Merci à vous. Des gros bisous YouTube. On se donne rendez-vous lundi prochain, du coup, sur le live pour une nouvelle découverte d'un jeu rétro. Alors, je ferai énormément de jeux Game Boy Advance parce que c'est une console que j'ai eu. Enfin, j'aime beaucoup en fait les jeux de console portables. Donc, je ferai énormément de jeux de Game Boy Advance ou de Game Boy Classique. Voilà, parce que c'est les consoles que j'ai eues. Et voilà. Donc je fais des bisous YouTube, à plus. Ciao.